بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Celui qui peut permettre nous pour nous donner sur la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grand air, nous témoignons sur l'unicité. Nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui Allah son serviteur et Allah son messager. Pour beaucoup de monde qui suivent l'actualité, si jamais nous n'avons fait une relevé, fin de l'exercice, du monde du monde, si nous prenons depuis le 1er janvier, aujourd'hui, dans toute sa quantité d'images qui nous trouvaient, la télévision, quand nous avons l'actualité de Jean-Jean de Maurice, d'après vous, quelle image qui est plus choquante qui nous joint depuis le commencement de l'année? Pour beaucoup de monde, les images numéro 1 qui sont plus choquantes que moi, c'est quand là, dans ma télévision, on trouve un gros coffre, côte bien des mille, puis grainé, puis tombé, débordé jusqu'à là-haut. Et en fait, au-delà de tout ban, nous dire considération politique, ça l'image là, il est vraiment choquant. Il est choquant parce qu'il y a un élément qui est irréconciliable là-dedans. Qui, avec tous les efforts que nous faisons, nous ne pouvons pas réconcilier un coffre côté de 110 millions d'euros et en même temps réconcilier avec un politicien qui, pendant 9 ans, inhabitué nous, un joli discours, l'eau, anti-fraude, good governance, transparence, la lutte contre la corruption, passe la loi, mettre en instance, qu'il soit dans un forum national ou international, faire un grand discours, joli discours. L'eau, transparence, contre fraude, contre corruption. C'est des clichés qui ne sont pas capables de réconcilier ça. Réconcilier un joli discours qui fait en public et un coffre avec 210 millions de roupies qui cachent en privé. C'est, là-dedans, il y a une contradiction. Il y a un peu comme si je dirais qu'il y a un voisin qui vit en lui, chaque fois qu'il est en lui, il dit: oh, tu connais qu'il y avait, tu veux faire comme moi. Je suis végétarien, je mange bread, je mange légumes, je ne mange pas la viande. 40 ans, je trouve que je suis diabète, je suis tension, je ne suis pas végétarien. Un jour, quand vous rentrez dans la case,
ou le verso vos idées tout les remplir la patte poule la cuisse poule la patte bœuf quatre laisse pas comprendre comment il y a un joli discours 40 bananes tout cause moi le régime végétarien vegi légumes ici tout vos idées remplir la viande dans la serre il pas qu'à réconcilier et au fait ça c'est un phénomène qui nous capable dire une vie mondiale aujourd'hui. Mondial, un phénomène côte ena un côté. Ben joli discours et à l'intérieur il y a une action qui tout à fait les contraires, tout à fait les contraires. Et nous vous trouvons qui comment dire c'est un phénomène pratiquement tous les jours. On trouve ça ben phénomène pas plus tard qu'aujourd'hui même grand matin dans l'Espagne il y a un gros scandale politico-financier. Côte là et non, une série politicien, autres une avancée grave les autres affaires pour la cour. Ce qui pour faire qui nous trouve dans une société qu'on devait vivre. Côte et non, une l'enfance démesurée, l'apparence. Côte pratiquement tout le monde est concerné, mot concerné par qui l'image mot de nom public. Et des secteurs qui plus concernés. Il y a un politicien avec une religion. Politique et religion, c'est des secteurs côte important qui, sa politicien là, ou bien sa imam, ou bien sa prêtre qui vient là, lui projette une image positive, lui cause jolie parole, un joli habillement, un joli discours. Mais à l'intérieur, nous trouvons que ça des secteurs là, lui mêlé, depuis nous capables de dire, dernier 10 ans, dans toute qualité scandale. Toute qualité scandale. C'est qu'il y a un côté d'un joli discours, de l'autre côté, joli discours en public, de l'autre côté, il y a une vilaine action dans le noir, en privé. Ça, il applique à tout le monde, tout le monde religion. Dans le monde chrétien, aujourd'hui, je peux faire face à un véritable défi qui appelle un prêtre pédophile. Prêtre pédophile, c'est qu'en lui-même, encore une fois, nous ne pouvons pas réconcilier. C'est un prêtre qui vient dans ce soutane. Dans ce joli robe, les vini les causes parole de Dieu, les causes le bien, les causes la droiture, les puis amène ce monde fidèle vers le salut. En public, il y a un joli discours, mais tranquille, dans le noir, les puis agresse les petits enfants, 4 ans, 5 ans. Et ça, il n'est pas mal cas, isolé. Et il y a ça donc. Dans l'Irlande, il y a 14 500 victimes. 14 500 victimes. Pédophilie dans l'église. Pareil comme ça, dans l'Amérique, il y a 13 000 cas qui sont rapportés. Et sinon, ben, qui connaît, Djaou, il y a deux fois plus qui n'ont pas rapporté pour pas sale l'image de l'église. Il y a 13 000 cas qui sont rapportés, il y a 5 000 prêtres qui concernent directement. C'est le monde chrétien. Pareil dans le monde hindou, il y a le même phénomène. Il y a un ashram, il y a un gourou, il y a un djimoun qui supposément pour amener djimoun vers le succès, qu'on supposément paix encourage le bien, mais à l'intérieur, pédophilie, à l'intérieur, prostitution, et la fraude massive, jusqu'à tel point que vous guettez, quand vous imaginez, pas un sec qui est dans l'hindouisme, mais un sec qui s'appelle Sai Baba. Dans l'Amérique, son ministère des Affaires étrangères, il est obligé, lors de son website, pour tout le monde qui est dans l'Inde, lui mettre un note. Une note de prudence, fais attention. Et un prominent Godman, qui fait référence à un leader, Sai Baba, qui lit beaucoup de choses pédophilie. Donc, si vous êtes avec un petit garçon, 4 ans, 5 ans, qui est un joli Tibétain, fais attention. Pareil comme ça, c'est qu'Adena Marie Christens, qui est un qui est condamné à 30 ans de prison. On est qu'à l'internet, vous pouvez tout ça massacre. Sexe, l'argent, fraude, pédophilie. Prostitution associée avec la religion. Dans le public, vin fait un grand, un joli, joli discours, un plus joli mot, cause un thème comme un sacrifice, la droiture, l'honnêteté. Mais dans le noir, fait exactement le contraire. Et nous ne disons pour chrétiens, nous ne disons pour hindous, attention d'arriver à croire que nous, musulmans, nous pas là-dedans. Bon, nous ne sommes pas pénalisés dans ça. L'ampleur là sur tout sexe, mais c'est moi nous avons encore un gros problème par rapport à l'argent. Si nous existons dans nos petits pays même, si vous avez un petit compte rendu avec Wakafbode,
ou pour choquer par quantité imam maulana qui comment moi-même qui met joli badjou dans vendredi monde l'homme me bal avec joli bonnet joli toc fait joli causerie cite joli hadith mais seulement une suit la caisse une défense la caisse pour qu'un quatre masjid c'est nous ban c'est man mi a dit comment moi-même pour dire que un côté il a ban joli parole quand tout moi vini jivao on dirait soit haba aujourd'hui même soit édification de la langue créole. Remarque, man dimon qui commence pratique dit que soit haba, dit que soit la, dit que soit yam, après il suit la caisse. Une provision de soit. Right? Entre nous-mêmes, mais c'est un constat. Quand beaucoup soit paraît dans créole, commence prend précaution. C'est une réalité. Sa réalité là, c'est qu'il va nous dire elle est à tout niveau, à tout niveau. Ce qui ne peut produire man dimon qui en a une tendance à nous dire schizophrène. Et ça, c'est un phénomène qui, si tant les bébés de plus en plus fort, qui régulièrement nous faisait mettre nous-mêmes en garde contre sa tendance-là. Parce qu'il est bébé la norme aujourd'hui. Il est bébé normal qu'un démon, il y a une personnalité dans Masjid, dans la journée, il y a une personnalité dans le noir. Moi, il y a une personnalité comme dans Masjid Nour Islam. Moi, il y a une autre personnalité comme dans Grand B, samedi soir. Moi, il y a une autre personnalité comme dans ma famille, la veille mariage. Mon dans l'autre série valeur, mon dans l'autre série principe qui m'a adopté. Donc ça, c'est ça qui lui revient à tout ça qui nous dit ça phénomène schizophrénie, dédoublement de la personnalité. Quand un dimon, il y en a 3, 4, 5 personnalités, il y en a double rôle de la société, il y en a double masse, triple masse. Ça, lui revient à un gros déficit au niveau de l'intégrité. Au niveau de l'intégrité. Parce qu'aujourd'hui, le monde en entier concerné par ce phénomène-là. Il y a beaucoup de titres qui viennent faire, qui fait du monde adopter un tel. Comment nous trouver un politicien, par exemple, qui n'arrive bien haut dans son corps, il y a dans la France, finalement, les maires Paris qui nous faisaient démissionner pour un scandale sexuel. Il y a un sénateur dans l'Amérique qui ne participe dans une grande la ligue pour combattre l'exploitation sexuelle, pour amener, soi-disant, faire du monde vivre propre. Quand, après, quand il est dans la vie par derrière, lui-même, il fréquente une prostituée. Ça, une fois, il y a un fait fait une recherche, et là nous trouvons ce qui est intéressant, il y a une définition qui nous gagne. Et base même à l'unanimité, nous d'accord qu'il y a un problème au niveau de l'intégrité. L'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est un terme qui est central dans nos messages lui-même. Qui veut dire l'intégrité? Quelle différence qu'il y a entre l'honnêteté et l'intégrité? Quand nous avons ce qui est, nous disons, dit qui peut faire une recherche, je donne, nous vous gagnons. Qui l'honnêteté les concerne comportement dans clair. L'intégrité les concerne comportement dans soir. Qui veut dire? Moi là dans le supermarché, un caissier quand fini paye lui, il rend moi 500 roupies en plus. Lundi même on vient get lui, moi je dis madame, on fait une erreur. Hier, tu donnes moi 500 roupies en plus. Quand je viens, il y a un tas de monde dans le supermarché, je tout guetté. Waouh, machallah. C'est une 5, ça, on vient, on retourne 500 roupies. Comment un bel péto. Ça, c'est l'honnêteté. Mais c'est ma même joie, je suis au téléphone, camarade, je me tourne, qui avait mon lockdown, qui a sec. Dans les courses, je me dis, un travail fini, il n'a pas le freiné, il n'a zoqué, il n'a commissaire, il n'a propriétaire l'équerrie. Right? Il y a une troisième course, il y a un tuyau sec là-dedans. Si tu n'es que devant 5000, tu ramasses 100 000 lundi. Pas besoin de venir, pas besoin de Vincent Mars, non, rien. Mais God casse là, tu n'as jamais qu'il est un mot passe-prend. Lui, à toi, right? Tu sais que ça, samedi, les courses finissent faire, lundi, mon passe-prend, tu casse, tu mets 5 000, tu gagnes 100 000. Vous dire, mais 5, gagnes 100. C'est difficile de dire non là. Et là, personne ne vous connaît. Ou ta wali, pas vous connaît, imam, pas vous connaît, mon camarade d'Amazid, pas vous connaît. Dans le noir, au téléphone, là, venir tout pour faire tranquille dans le noir. Mon rentre carré là-dedans. Ça, c'est l'intégrité. L'intégrité, les concerne. Qui quantité moi capable de maintenir mon bon principe quand personne ne va bégayer moi derrière les deux mon comportement derrière les deux monde ça c'est l'intégrité et une autre définition qui nous gagne c'est qui ban psychologue donné l'intégrité c'est qui quand là nous faire nous ban parole aligne l'eau nous ban action nous faire nous ban parole aligne l'eau nous ban action et ça quand nous tente ça ça renvoie nous tout de suite à un verset qui me l'a dans l'introduction, Allah Ta'ala interpelle nous, moi, qui y a eu l'azina, amenu, ou ben qui n'a iman, l'imata kouluna ma la taf'aloun. Qui fait aujourd'hui quelque chose qui même n'a pas fait. Kabura makatan inda Allah,
Les bien bien dégoûtants devant Allah qui ont dit quelque chose qui ont même ont pas fait 1400 bananes de cela pour un mettre ban barrage pour que ou nous vienne ban dimoun qui sincère intègre qui véridique qui nous pas tombe dans sa pièce c'est qu'il nous développe un comportement schizophrène qui nous pas vienne ban dimoun qui n'a pas jolie parole en public mais une vilaine action disait à soi comme vous tous seul dans mon ensemble. Et ça, autant ce que mon une définition, c'est ce qui ban sociologue donné quand nous regardons dans nos références, nous plutôt ban savant, il donne ban définition pour l'intégrité qui résonne ce qu'il a aujourd'hui. Par exemple, il y a un grand savant qui s'appelle Al-Khoshayri, il dit un niveau plus bas de l'intégrité, c'est quand nous l'intérieur vit en harmonie avec nous l'apparence extérieure. Fait que mon comportement vienne aussi blanc que mon badjou, que mon mette comme on dit pour l'obimbar. C'est l'intégrité, ça. Faire que mon comportement, que mon adopté, 10 à soi, 11 à soi, dans le codon, dans le bagatelle, quand personne ne veut être moi, vienne aussi blanc que sa mimbar, que sa badjou qui mon mette, comme on dit pour l'obimbar, divan divan. C'est ça l'intégrité. Faire que mon l'intérieur, que mon l'extérieur, il rentre en harmonie. On a un grand savant encore qui lui dit, un qui intègre, un assadek, c'est un kiken qui n'a pas peur, qui soit un secret vivant public. C'est un kiken qui n'a pas peur, qui soit un secret vivant public. Parce qu'il lit sur la vie privée, il est aussi clair, il est aussi propre qu'il sur la vie publique. Donc il n'a pas peur qu'il y ait aucun dimon qu'on soit un secret. Ça, c'est la définition qui nous gagne dans l'intégrité, qui moins où nous sommes capables de développer dans nous-mêmes, parce qu'il représente la base. Et bien, plus concerné, comme on nous dit, elle est concerne ban di moun qui fait joli discours. Et nous trouvons ça qui, en même temps, Coran, comment il y a 14 bananes de cela, Coran interpelle à ça l'époque là, ban prêtre chrétien. Et ça veut dire, comme je dirais, puis adresse ça à ban miadji, comment moi, ban maulana, ban imam, ban prêtre, quand Allah veut dire, et t'as un mourou dans le nas avec le bir, ou t'as un sauna en foussa comme moi, en tom tatrouna le kitab. Est-ce qu'ils ont, ban prêtre chrétien, je pour ordonne ban di moun la vertu, la piété, bonne action, la droiture, ou t'en sauna en foussa comme. Mais c'est moi, j'oublie les autres même. J'oublie les autres même. Ou antum tatlou na le kitab, quand on a déjà, je peux lire le livre. À cette époque-là, je peux faire référence à un livre, je suis dans l'Injil. Donc, c'est sa mise en garde là, qui moins où nous avons un grand défi, c'est qui nous besoin un comportement, nous besoin un comportement qui est en harmonie avec nos discours. Nous besoin un bon action publique qui en harmonie avec nos bonnes paroles, avec nos bonnes discours qui nous fait en public. Et aujourd'hui, quand nous dit, c'est pas zis, quand nous dit schizophrénie, quand nous cause dédoublement de la personnalité, nous trouvons à la base, à tout niveau, à tout niveau. Nous nous a raconté ici, l'école musulmane authentique fait appel à un parent parce qu'il certifie, il organise un whisky party. Quand maman la rentre dans l'école, maman a raconté, voilà où tu fais ça. Je dis, non, qui est-ce que tu Chine, non, pas possible. Maman a montré portable, si on a au Chine, comment il a envoyé portable, il a un message, 11 à soir, un tel ramasse casse, 5 camarades, ramasse 50 roupies. Nous avons besoin, nous avons besoin whisky. Whisky party, Naoshine organisé. Maman, je ne sais pas quoi. Parce que dans la case, Naoshine est un farista. Quand il t'a dit pour lever la main Fajal, c'est Naoshine qui lève. Il ne sait pas comment un Naoshine qui danse sur la case, c'est un véritable Djibril, alayhissalam, dans l'école peut organiser whisky party. Mais ça, c'est un véritable phénomène. Phénomène qui est partout. Un Djimoun rentre dans un magasin, il a fait Saint-Valentin. Les gens magasinés là, donnent une jolie corde qui a un joli message là-dedans. Puis j'ai besoin d'une corde, tient une jolie corde qui a un joli message, qui a un message là, waouh, right, là des petits. Mais si la petite chose madame, tu connais, tu es unique, tu commences à soleil qui peut briller là. Si pas tu n'entends pas regarder, moi pas connais qui motive pour être aujourd'hui. Toi par ta présence dans mon vie, tu m'amènes l'éclat, tu amènes la lumière dans mon vie, tu amènes le bonheur, tu amènes la chaleur. J'ai bon, prends-le. Vous regardez de côté, il dit, ouais, donne-moi trois. Je dis, trois? Quand puis il unique, donne trois? Il dit, ouais, trois. C'est un travail, ça. Ben, il y a son madame qui a décimé 300 d'euros. Il dit, tout le monde dit, ton même soleil, ton même unique, ton même salaire. Imaginez-vous, un soleil, 34 degrés, 2 degrés, 4 degrés, c'est trois soleils dans la vie pour le diable.
C'est ça le drame aujourd'hui. C'est que ça, 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 le monde devient absolument un spectacle. Nous, deux acteurs, nous tous nous remplissons très bien, nous deux rôles, nous trois rôles, nous quatre rôles. Right? Papa embête maman, parents embêtent enfants embêtent parents. Miadi embête Moussali embête Miadi. Tout le monde embête tout le monde. Parce qu'il y a trois rôles, quatre rôles, cinq rôles, schizophrène. Et quand nous retournons dans la base, nous trouvons qu'autant il y a une recherche qui nous fait par rapport à ce phénomène-là, il y a un constat, c'est que le premier critère qui nous a rodé dans n'importe quelle position d'autorité, pour dire que nous avons une responsabilité, pour donner une place dans le magasin pour un sort ou quelqu'un, premier critère qui nous a rodé, c'est un monde qui intègre. Et ça, qui dit ça, un ex-président d'Amérique, Dwight Eisenhower, c'est lui qui donne l'Amérique bombe nucléaire. C'est une référence dans l'histoire de l'Amérique. Il dit, supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Premier caractère qui est rodé dans un leader potentiel, dans quelqu'un qui donne une responsabilité en sens un bureau, en sens un travail, qu'il soit dans l'armée, qu'il soit dans le domaine, rôde l'intégrité. Et ça, c'est une vérité très islamique, très coranique même. Nous voulons qu'Allah Ta'ala, quand il a introduit ce prophète, une des premières qualités qu'il lui montrait, c'est qu'il s'abandonne du monde là, je t'y intègre. C'est dit, sadiq, sadouk. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala cause pour Ibrahim alayhi salam, Allah introduit lui, innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim alayhi salam, il tient véridique, un monde intègre et aussi un prophète. Même pareil pour Ismaël, même pareil pour Idris. Innahu kana sadiq al-wa'd wa kana rasulan nabiyya. Innahu kana sadiq al-wa'd. C'est un monde qui observe sur ma promesse, qui respecte sur ma promesse, qui lui donne parole, qui respecte, qui est sincère, qui est honnête, qui est véridique, qui est intègre. Premier critère. Et l'exemple de tout mon. De tout mon exemple, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il devienne prophète, l'Arabie en entier est connu comme Al-Amin As-Sadiq. Amin, l'honnêteté dans clair, As-Sadiq, l'honnêteté dans noir. C'est ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout dans le Coran, dans le Sunnah, fait nous vin, montre-nous qu'un des premiers critères qui nous a capable de développer dans moi, dans où, qui nous a développé dans nous, mes enfants, c'est effectivement ça, l'intégrité. Habitué, cause la vérité, pas cause mentir. Quand on donne parole, respectez nos paroles. Quand on nous donne un rendez-vous, nous respectez nos rendez-vous. C'est l'intégrité. Et d'ailleurs, le hadith est clair, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, allez comme sidq, fais effort pour se développer l'intégrité, pour se faire honnête, pour véridique. Fa inna sidq yahdi ila albir. Parce que l'intégrité lui amène vers la droiture, vers la vertu. Et la droiture se récompense, c'est paradis. Vous comprenez qu'Allah récompense ça. Ça dit monde qui développe sa capacité, sa qualité, vous voyez, un monde honnête, un monde intègre, Allah a une grande considération pour lui. C'est pour ça que beaucoup de place dans le Coran et dans le Sunna, qu'Allah a décrit la crème de l'humanité. Ou pour dire, wa nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin. Allah prend sa banque qui intègre là, toute place autre entre nabi, un nabiyyin, un prophète, wa siddiqin, banque qui intègre, banque qui honnête, banque qui véridique, wa shuhada, banque qui tombe en martyr dans défendre l'islam, wa salihin, banque qui pieux. Allah élève sa banque qui intègre là, pour se venir dans la crème de l'humanité, et place autre entre prophète côté droite, shahid côté gauche. C'est pour ça qu'il paraît choquant quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit concernant un commerçant qui est honnête, à tajir as-sadouk, symbolement encore, un commerçant qui intègre, qui est honnête, à tajir as-sadouk al-amin, ma'an nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada. C'est qui Allah dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous comprend, ça commerçant, qui dit faire son commerce bien, qui dit pas embête djimoun, qui dit pas coquin le balance, qui dit pas cause menti, qui dit pas passe made in China pour made in Japan, qui a sadouk, il prend compte qui sac sous qui rentre dans ce tiroir, les sac sous les halal, pas cause menti, pas d'embête du monde pour gagner ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça dit monde là, il est dans le paradis, ensemble avec mon prophète, ensemble avec mon martyr, ensemble avec mon qui véridique. Imaginez-vous, il y a là. Bah, il a des allos, la terre, il y a un grand business, il peut rouler 4x4, il y a un campement de 3 bis, il peut voyager tous les bananes, il peut Paris, il peut la Suisse. L'eau, là, te donne le Jannatul Firdaus, plus grand,
grade plus élevé dans Jannat pour celui qui cultive l'intégrité dans sa relation avec le monde. C'est fait comprendre? Et dans même lien, nous avons une parole de un grand personnage qui est en mention, Luqman. Luqman en lui-même, c'est une personne assez mystérieuse. Dans l'islam, fait nous comprendre qu'il y a environ, Allah a envoyé environ 124 000 prophètes. Dans 124 000 prophètes, il y en a 25 qui mentionnaient. 25 qui mentionnaient dans le Coran. 25. Ça veut dire 123 975 pas mentionnés. Mais c'est même une personnalité qu'elle a mentionné, Luqman. Il y a une sourate qui est dédiée à lui. Dans le mot de Malik, quand il dit, Luqman, mais qui te fait comme ça pour te gagner un grade aussi distingué qu'elle mentionne toi, conseiller qui te met dans ton garçon, dans une sourate qui sera pour ton Luqman. Ça qui lui répond, c'est pour le hadith. C'est que moi je dis mon qui honnête, mon honnêteté, mon intégrité, mon pas cause mentir, mon pas embêter mon, mon pas faire fausse promesse, mon pas chercher sans provision, mon pas donner mon rendez-vous après mon pas venir. Non, quand mon cause vrai, c'est le hadith wa ada'ul amana. Moi je dis mon qui respecte amana. Quand je dis mon confie moi un amanat, mon respecte lui. Amanat est cadre de plusieurs façons. Vous avez un voisin qui prête un dicti beaucoup ébriani parce qu'il a une belle fille, mais quand vous retournez propre, retournez pareil comme vous donnez. Il ne faut pas qu'elle retourne là-bas, vous devenez un trou là-dedans. Vous ne prenez prêter qu'un voisin, un l'entonnoir, ou soit un l'arrosoir, ou soit un marteau, retournez bien. Amanat, c'est également un secret. Un secret. Un dimanche, vous avez confié un problème. Vous avez un problème avec mon madame Zoudi. Quand vous avez raconté, vous n'avez pas encore fini de raconter. Un secret, hein, tu vas dire à personne dans lequel je ne peux pas faire un vini. Allez, raconte-toi, quand tu finis, tu devrais être un mot de jali. Il n'est pas encore fini de causer, on finit de connaître qui c'est un mot de jali après. Right? Amana, c'est secret, garde secret. Quand tu confies, quelque chose pas de jali. N, toujours véridique. Deuxième, dans le sens du dépôt, Amana. Et troisième, Watarkuma la yanini. C'est qui moi, je quitte quelque chose qui pas concerne moi. Je ne parle pas fouiller dans la vie du monde. Right? Eh, moi, t'en dis. Hein, moi t'en dis, et tout, ou tu files un divorce, moi t'en dis, hein, ou j'en ai, tu es drogué, moi t'en dis, hein, vous voyez ça? Pas besoin de fuir dans la vie du monde, quelque chose qui pas concerne nous. C'est qui, ça qui concerne, n'est-ce pas, sa propre situation. C'est une base de l'intégrité. Il peut paraître simple, parce que quand j'ai respecté nos amanats, pas casse promesse, pas cause mentir, il paraît pas simple. Mais c'est une base qui, aujourd'hui, le monde, Petro ou Péro, 10 000 francs, comment pour réamener ça? Parce que si tant, ça la vie là, porte un scandale, porte une corruption, porte une man, véritable défi qui faisait faire face. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc ce que nous guettons aujourd'hui, c'est un petit rappel par rapport à ce concept de l'intégrité, à sidr. Comment est-ce que c'est une bonne qualité de base qui nous, à tout niveau, monsieur, madame, enfants, personnes âgées, nous besoin faire des efforts cultivés dans nous. Parce que si c'est nous la case, si c'est nous l'entreprise, si c'est nous masjid, dépend de nos premiers critères à sidr, l'intégrité. Et l'exemple que nous avons, c'est l'exemple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple qui est édifiant. Comment est-ce que Rasoul là, bout en bout, c'est un Rasoul qui a une certaine consistance dans ce bon valeur. Depuis 4 mois, nous avons cause concernant principe. Comment est-ce que Rasoul là, qui maintient ce bon principe? Nous cause le sens de justice. Comment est-ce que Rasoul là, les petits trafics ce bon valeur? Qui maintient ce sens de justice à n'importe qui valeur, à n'importe qui prix. Azotique ne peut toucher c'est l'honnêteté et l'intégrité. Il ne peut toucher encore une fois qui quand il s'assoit là, il s'y maintient. C'est un monde qui est cohérent dans ce discours et dans son action tient une harmonie. Dans son la vie publique comme dans son la vie en privé, il y a une harmonie, il y a une conformité incroyable. Personne à aucun moment pas pouvoir trouver il guette là, il guette prophète il y a telle quelque chose là. Après il n'agit les contraires là-bas jamais. Et dans sa cohérence, sa consistance qui fait, qui, c'est ça qu'on appelle sunna, qui nous développe une personnalité, qui a une consistance dans nos valeurs, dans nos principes. Ça, la sunna, jusqu'à dans ce moindre, nous sommes capables de dire, situation plus personnelle. Aïcha radiallahu anha, vient avec lui, Ya Rasulallah, un moment intime. Ya Rasulallah, dans tout ça, madame qui est là, est-ce que ce n'est pas moi-même ou madame préférée?
Dans ce moment, c'est un dilemme pour le prophète. Parce que ce qu'il dit, ce qui traverse tout sur la langue, il faut qu'il est approuvé par ceux qui sont. Dans ce moment, le prophète dit non, Aïcha. Non. Mon moment préféré, c'est Khadija, radiallahu anha. Quand tout le monde abandonne moi, lui, il amène l'iman dans moi. Quand tout le monde repousse moi, lui, il supporte moi. Quand moi, je suis dans difficulté, c'est lui qui devient mon compagnon, c'est lui qui reste mon préféré. C'est incroyable, cet exemple-là. Dans un moment intime, quand oui, nous sommes capables d'attendre qu'il pouvait la dire, oui, mais non, mal, mon gâté. Toi, même ça. Tu pas tu nan, même Khadija, pas tu peux objecter. Mais non, ici c'est l'authenticité de Rasoul. Qui l'on sent la langue là, l'embrasement sont jamais traversé. Ce qui traverse sur la langue, il est en conformité avec ce qu'il y a dans ce liqueur. Un autre exemple encore, nous a cité dans Makka et dans l'éclipse. Pardon, dans Madina et dans l'éclipse. L'éclipse, finalement, ça même jour, prophète, ce garçon Ibrahim. Ibrahim, un garçon qui tient là, ce garçon mort. Bandimoun dans sa lèvre là, beaucoup de la danse des bandes mouchrik, man païen, qui n'a pas de concept, de superstition, de légende, de mythe dans la tête. Mais je dis que ce garçon est mort là-bas dans l'éclipse. Le soleil peut faire l'éclipse. Et l'éclipse, c'est une condoléance. Comme si le soleil peut offrir sa condoléance à sa famille. Il veut dire Mohammed est un grand monde. Dis ce prophète, il reste tranquille, ça l'est là. Dis ce reste tranquille. Mais là, tu peux vous dire ah, mais tu es vraiment un grand monde alors. Ce garçon est mort, soleil à cachette. Mais non, ici c'est un rasoul qui est authentique, qui est intègre. Intègre. Il n'a jamais pas servi malhonnêteté, même pas comme un outil, parce que la fin ne justifie pas les moyens dans l'islam. Qui dit dans sa lèvre, il descend des corrigeants. Non. Il fait ce qu'on comprend. Il n'a chamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Soleil et la lune, c'est des signes parmi les signes. Allah ça. Je n'ai pas fait l'éclipse, l'imauti ahadin wala li hayati. Zot l'éclipse, l'éclipse n'a rien à faire avec naissance ou l'amour personne. Personne. Au contraire, ce qu'il vient faire, fa idha ra'aytumuhuma, quand là je joins l'éclipse, fa'dou Allah wa sallu hatta yanjaliya. Quand là l'éclipse, fait beaucoup d'ikrullah, fait namaz, c'est quand l'éclipse terminé. Get l'honnêteté sa rasoul. Est-ce qu'attends ce qu'il dit? Mais je ne trouve non. Mon père dit, zot même un prophète spécial, get la mogason mo. Soleil même fait la grève. Mais non. Ici, c'est l'authenticité du prophète. Il corrige cette conception. Fait comment? Non. Mon père n'a rien à faire à soleil avec la ligne de moi. Ça, c'est des signes Allah et l'éclipse. N'a rien à faire avec naissance ou bien l'amour aux personnes. C'est l'authenticité du prophète. C'est une valeur qui nous est capable d'amener dans nous la vie. Amène dans nous la vie pour une manjimoun qui véritablement dans noir comme dans clair, nous avons une seule personnalité. Nous avons une consistance, une cohérence dans nos principes. Et une cohérence d'application de ce principe-là. Je ne peux pas faire un grand discours dans la journée pour qu'après ça, je dise à soi, je fais un grand discours au halal haram dans le mimbar, après je dise à soi, je lis mon laptop, ou soit je dis à ma canal sat pour que tout le monde pourrisse et fasse mal propre. Non. Je ne peux pas violer dans le noir ce qui m'a enseigné dans le clair. C'est ça schizophrénie. C'est ça déficit au niveau de l'intégrité. C'est que l'intégrité dit maintenant, qui nous vient un bande de monde qui a une consistance dans nos comportements. Même principe qui m'ont appliqué dans la journée, m'ont appliqué dans la soirée, m'ont appliqué dans masjid, m'ont appliqué dans bagatelle, m'ont appliqué dans Kodan, m'ont appliqué dans Shanghai, dans Thaïlande, quand il y a salon massage, quand il y a striptease, quand il y a prostitution, m'ont appliqué même principe avec même la force parce qu'Allah te l'a dit avec moi. Tout côté de nous demandons qu'Allah soit avec moi qui peut causer et que nous recevons un dimon, un vrai disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous recevons comprendre qu'il nous la force, c'est sa principe qui sera sur la de nous et principe que nous guettons aujourd'hui, c'est application l'honnêteté, l'intégrité dans nous la vie tous les jours, dans nous la vie publique et dans nous la vie privée. Faire qu'il nous vienne un dimon qui peine aucun décalage entre nous et les discours dans la journée et que nous manquons l'action dans noir. Nous demandons qu'Allah fait avec notre sincérité, l'intégrité dans nous, qui nous vive un vrai disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous vive avec iman, nous mourons avec iman, nous relever avec iman dans l'ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق
وفي الشام وفي سوريا وفي البورما وأينما يكونوا مظلومين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ارحم فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، إن تعذبنا لا طاقة لنا، وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.